Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir que je peux faire différents types de représentations d'une partie de ce tableau ici avec différentes informations. Donc déjà, il faut savoir que ici, là, vous voyez, c'est marqué diagramme de Gantt. Si je fais un clic droit, je peux choisir entre, par exemple, le calendrier, la chronologie, diagramme de Gantt, formulaire de tâches. Donc le formulaire de tâches, voilà. J'ai aussi Gantt, dérive tâche critique, réseau de tâches, etc. Donc ça, c'est le réseau PERT, PERT. Suivi Gantt, qui est aussi intéressant avec ici les pourcentages et chemins critiques, etc. Je peux aussi avoir le tableau des tâches, utilisation des tâches, par exemple. Voilà. Je peux avoir le formulaire de ressources, graphe des ressources. Planificateur d'équipe, tableau de ressources, etc., etc. Donc, on va se mettre dans le diagramme de Gantt, tout simple. Ici, dans Affichage, vous voyez que j'ai ici différents tableaux. Donc, je peux très bien me mettre, par exemple, hein, sur. On va prendre le tableau des tâches. Voilà. Et vous voyez qu'ici, dans le tableau des tâches, j'ai, par exemple, hein, les coûts. Donc, il suffit simplement ici de changer, vous voyez, de choisir tableau des tâches. Si je veux, je peux avoir les entrées. Donc, savoir, par exemple, hein, ici que voilà le nom de la tâche, la durée, début, fin, prédécesseur, successeur, nom des ressources. Si je clique toujours dans Affichage, table, je peux dire le coût par tâche, les prévisions avec donc début, fin, début au plus tard. Fin au plus tard, la marge, marge totale, le résumé, donc voilà, suivi, utilisation, variation si j'avais donc ici donc, un calendrier de référence, etc. Le travail. Donc j'ai ici la possibilité d'avoir ça. J'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, par exemple, hein, d'avoir le tableau des ressources. Donc ici, j'ai mes ressources. Hein, voilà. Et là aussi, pareil, je suis en coût, mais j'ai aussi. C'est comme ça que tout à l'heure, on les a rentrés. Donc quand vous rentrez des ressources, généralement, je vais dans le tableau de ressources. Hein, et puis, je peux rentrer mes ressources. Mais si je veux, je peux voir le coût par ressource. Donc Bernard, 400 euros, variation bon, 400, donc par rapport au coût de référence, coût réel 200, restant 200, etc. Et j'ai comme ça le résumé. Je peux avoir, comme tout à l'heure, l'utilisation. Entrée, ressources travail, ressources matérielles, exporter, si je souhaite donc exporter. Lien hypertexte, travail, voilà. Donc j'ai la possibilité ici, toujours pareil, en ayant sélectionné tout simplement le tableau de ressources et en faisant varier les tables, d'avoir une représentation différente de ce que je souhaite. On va utiliser utilisation des tâches. Voilà, j'agrandis un peu. Là, pareil. Vous avez le coût, vous avez l'entrée. Donc ici, vous voyez par exemple, ici je vois le début, fin, prédécesseur, successeur, nom des ressources. Donc j'avais le coût qui me permet de voir, très intéressant, donc voir ici la tâche A et voir la ressource Bernard est dedans, Alain, coût total, planning de référence, variation, le réel, le restant, les entrées, prévision. Le résumé toujours. On a le suivi. On a l'utilisation. Variation. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, d'après ce que je souhaite, donc ici, je peux prendre les ressources, tableau des ressources, prendre l'utilisation des tâches, diagramme, donc les ressources ou, comme on avait fait tout à l'heure, tableau des tâches. Et d'après ce que je fais dans table, je peux choisir
ici une représentation différente de l'information afin de faire ressortir ce qui m'intéresse. Et du coup, je n'ai pas forcément, bon, dans certains cas, hein, quand je travaille, pas besoin d'aller dans rapport et sortir un rapport, tout simplement, voilà, vue d'ensemble des coûts ou les coûts aperçus, dépassements, flux, trésorerie, personnaliser un rapport carrément pour faire ça, sauf si j'ai besoin bien sûr d'imprimer, mais je peux déjà faire ça, tout simplement, dans affichage, mettre le tableau des tâches, aller dans coûts, et je peux fichier, imprimer et imprimer mes coûts, tout simplement, sans devoir faire un rapport forcément. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur MS Project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project.